et dire quelque chose. Nous sommes là pour ça. Suzanne Barat à mon micro. Merci. Equipo. Equipa. Equipo. Equipa. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes des femmes qui nous connaissent leurs droits. Nous sommes des femmes qui défendent les droits de la femme. Nous revendiquons aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe par la langue de Gabon? Au Gabon, nous avons nos époux, nos frères, nos fils qui sont emprisonnés arbitrairement par le dictateur Ali Bongo. Aujourd'hui, nous avons nos fils et les liens qui sont emprisonnés parce qu'ils réclament la meilleure éducation, ils réclament les professeurs dans les salles de classe. Aujourd'hui, les époux des décisions politiques de nos cœurs à laquelle nous disons que nous exprimerons, nous exigeons la libération immédiate de ces prisonniers. J'ai cité Zizi Bertrand, j'ai cité Landry Amiard, j'ai cité John Joseph, j'ai cité Rosemary. Alors, nous sommes là pour dire assez. La liberté doit être l'entrée du Gabon. Si le Gabon est un pays démocratique, alors nous devons être respectés. Aujourd'hui, le Gabon, la femme n'est pas respectée lorsqu'elle peut exercer un droit de commerce. La police municipale, elle renferme ce que la campagne. La police municipale, elle se saisit de cette femme-là. Il la met nue. Il met sa liberté au fur et à mesure de tout le monde. Et nous devons c'est parce que chaque fois, on parle, elles s'occupent de leurs enfants toutes seules. Parce qu'elles sont abandonnées à leurs enfants. Nous, Ivoiriennes, on alors, est là. Nous voyons ce phénomène qui se passe à tout le système congolais. Le système qui a puni la femme. La femme n'a pas le droit de faire des études plus que son mari. Si elle fait des études plus que son mari, elle est prise en aversion. Elle est détestée par sa belle famille. Vous voyez, les femmes les femmes subissent des sévices corporels. Au Gabon, cette femme qui est martyrisée, qui est, va continuer à qui est torturée par son mari, si elle se lève pour aller porter plainte, eh bien sa plainte ne peut pas être acceptée. Parce qu'on lui dira non. En réalité, au Gabon, la femme ne vaut rien. C'est ça la citoyenneté. Pourquoi nous sommes la suite? Nous ne voulons plus de cela. Arrêtez de piétiner sur les droits de la femme. La femme a le droit d'aller à l'école, elle a le droit à l'instruction, elle a le droit d'élever ses enfants dignement, elle a le droit d'exercer son commerce dignement. Alors, libérez la liberté de la femme au Gabon. Libérez les prisonniers politiques au Gabon. Les épouses, Zibi, Landry, la mère de Zibi, Landry, Joseph, Rodney réclame la liberté, réclame la libération de leur époux, réclame la libération de leur fils. Alors nous disons, procédons à l'Ivoire pour libérer la liberté au Gabon. Les femmes doivent exercer leur droit à l'éducation, à la profession. Il y en a marre. Il y en a marre. Nous chantons souvent équipe commando. On va essayer de le chanter pour animer. Nous disons oh la femme au commando, à la femme au commando, commando. Oh la femme au commando, à la femme au commando, commando. Oh la femme.
va dire, c'est les femmes pour la frère. Et ça, on va passer maintenant à un autre pays. Tiens. C'est ça, le pays.